Arnaud, elle dit quoi? Elle veut quoi? Hein? Qu'elle vient, viens avec. Tu es où? Viens avec le téléphone. Donne-moi. Demande à Mireille chez les écouteurs de l'iPhone. On lave ta face, n'est pas lavée. Tu vois? Et c'est quand tu lèves le matin, tu dois te mirer. Tu dois regarder le miroir. Tu vois ta face. La première chose que tu fais quand tu te réveilles, soit tu te laves, tu te brosses les dents. Tu laves la face, tu te brosses les dents. Et si tu as lavé ta face, et c'est à brosser tes dents, hein? Regarde comment tu fais ça. Alors, tu vas aller d'abord faire ça. Et tu viens te donner le téléphone. Tout à l'heure, je t'en. Tu as les écouteurs de. Personne n'a les écouteurs de l'iPhone ici. C'est ces écouteurs qui ne fonctionnent pas. Voilà, bonjour à tout le monde. Tu vas voir de là que tu viens, ok? Ah, ne passe pas comme ça, contourne comme ça. Tout à l'heure. Ah non, tu ne vas pas te concentrer si tu vas au téléphone. Je le dépose, là, je ne touche pas. Vas-y, je ne touche pas. Non, non, vas-y, je laisse là. Non, non. Vas-y. Vas-y. Quoi? Oui, c'est là. Vas-y alors. C'est là, c'est parce que le téléphone est tourné. Vas-y, voilà, tout est là. Non, 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 tu passes pas là. Tu contournes comme ça. Tout à l'heure. Voilà. Moins d'activité autour de moi, je vous en prie. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans le mois de novembre. C'est le mois de novembre. Ça c'est un direct extraordinaire que nous allons faire ce matin sur le mois de novembre. Voilà, le mois de novembre. Je voudrais prier avec toi, te bénir. Bénir ton mois de novembre. Ça, c'est le premier direct de ce mois. Et ce dimanche, par la grâce de Dieu. Dimanche, c'est le 6, c'est ça? C'est le 6? Hein? Voilà, dimanche, le 6 novembre, nous avons le culte. Un culte de consécration, un culte d'adoration, un culte de louange à l'Éternel, notre Dieu, pour ce 11e mois. Je vais vous expliquer pourquoi c'est tant important d'être présent à ce culte ou bien de suivre ce direct ce matin. On va voir un petit mystère dans les Saintes Écritures en tant que chrétien. Ouais. Donc, ce dimanche 6 novembre, vous êtes invités. Et nous sommes en train d'entrer dans un mois, le 11e, qui est le 11e, je vais vous expliquer pourquoi c'est important le 11e mois dans la vie d'un chrétien. Donc, et le Seigneur, pendant que je priais pour ce 11e mois, m'a permis de comprendre que novembre, c'est le mois de la restitution divine de tout ce que l'ennemi a volé. C'est le mois de la restitution divine de tout ce que l'ennemi a volé. Donc, ce sera le thème sur lequel nous allons travailler. Le thème de la restitution divine. Et le Seigneur nous fera grâce. Beaucoup de personnes vont récupérer tout ce qu'elles ont perdu. Voilà, depuis le mois de janvier jusqu'en novembre. Vous comprendrez pourquoi ce mois est le mois de la restitution divine. Parce qu'il y a un mystère restitutionnel rattaché au nombre 11. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Et je veux prier avec toi ce matin. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Et toutes ces semaines, nous allons beaucoup travailler lors de mes directs sur la restitution. Et tout le mois de novembre sera un mois de restitution divine. Dans tous les domaines de ta vie, nous allons travailler sur la restitution divine. Vous savez que nous sommes à l'heure des bilans déjà. On est en train d'arriver en fin d'année. Nous sommes en train d'entrer bientôt dans l'année 2023.
Voilà, il faut faire le bilan déjà. Comment est-ce que l'année 2022 a été? Il y a cela quelques mois encore, nous étions en janvier. Et là, nous sommes en novembre. Et comment est-ce que l'année se passe chez toi? Voilà pourquoi j'ai dit que le dimanche, le premier dimanche de ce mois de novembre devrait être capital. Devrait être capital pour chacun d'entre nous. Devrait être importantissime pour chacun d'entre nous. Donc, bien-aimé, je voudrais juste t'inviter à ne manquer sous aucun prétexte ce dimanche 6, le dimanche des restitutions divines. Et tous les dimanches du mois de novembre seront les dimanches de restitution divine. La nuit de flamme à Yaoundé sera la nuit de la restitution divine. Et à Douala, ce sera la nuit de la restitution divine. Ouais. Donc, c'est un mois, il faut profiter dans sa présence. Mais si tu ne venais pas à l'église, il faut venir. Parce que l'année est en train de finir en fait. Et la façon dont tu finis une année déterminera comment tu vivras dans l'année qui suivra. Donc c'est le mois de la restitution divine. C'est le seul mois où Dieu peut faire ce miracle dans ta vie. Et Dieu te bénira. Donc partageons la vidéo, envoyons-nous des cœurs. Envoyons des cœurs s'il vous plaît, envoyez-moi des cœurs. Je veux voir des cœurs et des pouces bleus. Tout ce que le diable a préconisé contre toi sera détruit pendant ce mois de novembre. On va renverser cela. Il y a des grands projets de Dieu dans ta vie qui n'ont pas été accomplis. Le Seigneur permettra que ces projets puissent être accomplis en ce mois de novembre. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que le Seigneur te bénisse. S'il vous plaît, envoyons les cœurs, partageons la vidéo. Avant que je ne commence à partager ce que j'ai à partager avec vous ce matin, n'oublie pas que novembre, c'est le mois de bilan. Comment était ton année 2023? Comment est-ce que tu as passé l'année 2023? Si on te demandait 2022, autant pour moi, est-ce que l'année 2022 a été pour toi une année de bénédiction? Est-ce que c'est une année de succès? Est-ce que tu es satisfait de ton année 2022? Alors, quelle est la réponse que tu me donnerais? Quelle réponse est-ce que tu donnerais? Est-ce que 2022, tu es satisfait de ton année? Est-ce que tu as accompli les choses pour lesquelles le Seigneur t'a appelé? La Bible dit que, quand nous lisons dans les Saintes Écritures ici, la Bible explique que, nous allons aller dans Matthieu chapitre 20, je vais lire ça rapidement avec toi, je vais prier. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. S'il vous plaît, je veux le silence, je vous en prie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit, qui est là? Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, silence, je veux le silence, je vais te concentrer. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième. Et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu
de mauvais œil que je sois bon. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà. Donc, bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur pour le 11e mois. C'est le mois des ouvriers de la 11e heure. C'est le mois de la restitution divine de tout ce que l'ennemi nous a volé. C'est le thème du mois de septembre, du mois de novembre, le mois de la restitution divine. En nous parlant de la grâce des ouvriers de la 11e heure, j'ai posé une question dans mes préliminaires de savoir, dites-moi en commentaire, comment a été ton année 2022? Est-ce que tu es fier de ton année 2022? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as atteint tes objectifs en cette année 2022? Est-ce que tu as été un homme accompli, une femme accomplie? Est-ce que tu as avancé ou est-ce que tu as régressé dans ta vie? Est-ce que tu es content de la manière dont les choses se sont déroulées dans ta vie ou de la manière dont elles sont en train de se dérouler? Parce que le mois de novembre, qui est le 11e mois, est le mois de la rectification. C'est le mois où on doit rectifier. Ce qui a été mal fait doit être rectifié. Les objectifs qui n'ont pas été atteints doivent être atteints. Ce qu'on n'a pas pu réaliser, on doit le réaliser parce que dépasser la 11e heure, il n'y a pas de 12e heure. Il n'y a pas de 12e heure. Le 12e mois, c'est la transition dans l'année qui suit. En ce moment, il n'y a plus de restitution divine. Voilà pourquoi j'ai dit que le mois de novembre était un mois stratégique. Vraiment, si quelqu'un qui me suit ce matin ne comprend pas cette petite vérité fondamentale pour prendre au sérieux ce mois dans sa relation avec Dieu. Si le mois s'y passe, que les choses n'ont pas changé dans ta vie, ce n'est pas décembre qui les changera. Parce que décembre, c'est la transition. C'est le mois de la transition. On reviendra là-dessus le mois prochain. Mais pour le moment, nous sommes dans le mois de la restitution, le mois de toute possibilité. Où tu peux encore récupérer tout ce qui t'a été volé. Tu peux encore rectifier ce qui a été mal fait. Tu peux remettre les pendules à l'heure. C'est le mois du bilan. C'est l'heure du bilan. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan. Dis-moi en commentaire. Quel est le domaine de ta vie où tu penses que tu as échoué? Quel est le domaine où tu penses que tu as avancé? Mais quel est le domaine où tu as échoué? C'est ça qui m'intéresse le plus. Tout au long de ce mois de novembre, c'est ce que nous allons faire. Où tu penses avoir échoué? Où tu penses que tu n'as pas atteint les objectifs? Où tu n'as pas été un homme accompli, une femme accompli, je pense qu'on va travailler là-dessus. Et je vais prier avec toi. On va se joindre dans une union de prière. Et Dieu se manifestera. Dieu réparera ce qui. Donc, bien aimé, c'est le 11e mois. C'est le mois de la restitution divine. C'est le mois de bilan. Et je dis que si vous m'écoutez, vous êtes mon enfant spirituel. Vous êtes ma fille ou mon fils. De près comme de loin. Et que pendant ce mois de novembre, tu manques les cultes, les programmes que le Saint-Esprit nous donnera comme des cadeaux de Dieu pour restituer à nos vies avant 2023 les choses dont nous avons été privés, pas par la volonté de Dieu, mais à cause peut-être de nos péchés, de nos erreurs, de nos iniquités, de notre têtutesse ou de notre désobéissance à la parole de Dieu ou parce que l'ennemi nous a privés de ces choses, ou bien nous et nos enfants et nos familles. Donc, le 11e mois, c'est le mois de la prise de conscience. C'est le mois des bilans. C'est le seul mois que Dieu te donne. Et la 11e heure, c'est le symbole de la 11e heure. C'est la grâce de la restitution divine. C'est ce mois que tu peux encore dire à Dieu, Seigneur, depuis janvier jusqu'ici, la telle chose n'a pas marché. Je ne suis pas content de tel domaine dans ma vie. Seigneur, sur le plan sentimental, j'ai échoué. Sur le plan professionnel, j'ai échoué. Sur le plan du ministère, j'ai échoué. Sur le plan relationnel, j'ai échoué. Sur le plan sanitaire, j'ai échoué. Sur le plan des projets, j'ai échoué. Dans mon mariage, j'ai échoué. Sur le plan familial, j'ai échoué. Dans tous les cas, Seigneur, voici les ruines de ma vie. Et nous sommes en train de finir 2022. Seigneur, restaure ma vie. Tu fais cette prière avec sincérité, Dieu le fera. Tu verras le miracle de Dieu. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Tu verras le miracle de Dieu pendant tout ce mois de novembre. Parce qu'on sait la restitution divine. Donc, si tu ne prends pas conscience de ta vie, qui le fera à ta place? Personne. C'est toi qui dois prendre conscience de ta vie. Si tu ne te rends pas compte des ruines de ta vie, qui sera plus conscient de ta vie que toi? Qui sera plus conscient de tes manquements que toi? Qui sera plus conscient de tes inachèvements? Que toi,
qui sera plus conscient de ton non-accomplissement que toi-même. Si tu ne te réveilles pas sur ta vie pour prendre les bonnes décisions, la bonne position spirituelle et prophétique pour voir les choses changer dans ta vie, qui le fera à ta place? Personne. Personne ne le fera. Donc voilà pourquoi je voudrais t'inviter à prendre une position prophétiquement stratégique. Dans les domaines de ta vie où tu sens que tu as eu du retard en cette année 2022, il est encore temps de récupérer ce que nous avons perdu, mes amis. Voici venu le mois de la 11e heure, la grâce de la 11e heure. Bienvenue dans le mois de la restitution divine, le mois du rattrapage. Vous savez, à l'université, pour ceux qui ont échoué, je pense que c'est l'été. On leur donne l'occasion de faire l'été. L'été là, c'est le mois de la grâce. C'est le mois du rattrapage. C'est le mois où c'est que les matières que tu n'as pas validées, les UV que tu n'as pas validées, on te donne une chance de les valider. C'est-à-dire que tu avais déjà échoué, c'est vrai. Normalement, tu ne devrais pas passer en classe supérieure. Mais l'occasion t'est donnée de te rattraper. C'est-à-dire que l'été n'est pas pour ceux qui ont réussi, c'est pour ceux qui ont échoué. Donc la 11e heure, c'est un peu une sorte d'été spirituel et prophétique. C'est une année de grâce. C'est un mois de grâce. C'est un mois de grâce. Cette année, ce mois de novembre est le mois de l'abondance de la grâce de Dieu pour toi, pour tes enfants et pour chaque domaine, chaque diapason, chaque département, chaque région de ta vie. Et ne laisse pas cette occasion passer sans que tu n'en profites. La Bible dit qu'au jour favorable, je t'ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui, au jour où Dieu lui tend la main, ils n'ont pas su que c'était une année de grâce. Donc c'est une année de grâce. Dans ton ministère, homme de Dieu, c'est une année de grâce où le Seigneur t'accordera d'atteindre les choses que tu n'as pas pu atteindre, les hauteurs que tu n'as pas atteintes. Donc envoyons les cœurs, s'il vous plaît, les pouces bleus. Envoyons-moi les cœurs, envoyons-nous les cœurs. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Voilà, les cœurs et les pouces bleus. Ce que tu ne récupéreras pas en ce mois de novembre, tu ne vas pas le récupérer en 2023. Parce que lorsqu'une année est déjà morte, elle meurt avec tout ce qu'elle contient. Et donc le défi c'est quoi? C'est que 2022 ne doit pas mourir avec une seule promesse de Dieu qui m'appartient. Et donc je n'ai pas vu. 2022 ne doit pas mourir avec une seule bénédiction qui me revienne. Et donc je n'en ai pas profité. Non, je refuse cela. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui a une décision ferme, un engagement ferme, qui dise non, ça n'arrivera pas. L'année 2022 ne sera pas enterrée avec une seule bénédiction qui m'arrive, qui me revient. Bien aimé, tu risques d'entrer dans 2023 avec les limitations de 2022. C'est ça qu'il y a certaines personnes qui changent d'année, mais leur vie ne change pas. Leur situation ne change pas. Leur histoire ne change pas. Les événements de leur vie ne changent pas. Le cours de leur vie ne change pas. Normalement, quand tu sors d'une année pour entrer dans une autre année, tu dois être une nouvelle personne. Ta vie doit changer. Ta vie doit progresser. Tu dois faire des exploits avec Dieu. Tu dois réaliser des choses que tu n'as pas réalisées dans l'année précédente. Mais si 2022 pour toi a été comme 2021, il n'y a rien que tu aies réalisé en cette année nouvelle, c'est-à-dire que tu as échoué. Non, 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 tu as échoué. Tu as échoué. Tu ne vis pas 2022. Tu n'as pas vécu 2022 comme cela se devait. Donc, il faut d'abord commencer par faire le bilan de ta vie et être conscient. Qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser dans ma vie en 2022 et que je devrais réaliser, que j'étais supposé réaliser. Quels sont les auteurs que je devrais déjà être en train d'occuper maintenant, mais qui en réalité, je n'ai pas encore atteint. Il faut que tu le saches en fait, c'est ça, faire un bon bilan. Est-ce que j'ai été accompli en 2022? Est-ce que j'ai réalisé des grands projets? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a été profitable et qui a été profitable à mon entourage, à ma famille, à ceux qui me sont chers? Quel est le pas que j'ai marqué? Tu fais le bilan. Est-ce que j'ai marqué des pas? Ces pas, je les ai marqués vers l'avant ou vers l'arrière. C'est important, mon ami. Parce que si tu n'arrives pas à réfléchir comme ça, c'est-à-dire que tu mènes ta vie sans réflexion et tu entres dans de nouvelles années sans réflexion, sans bilan, et je crains qu'à la fin de ta vie, tu te rendes compte trop tard que tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien accompli de toute ta vie. Qu'est-ce que tu as accompli en 2022 que tu n'avais pas accompli en 2021? Et qu'est-ce que tu penses
accompli en 2023 que tu n'as pas accompli en 2022. Je pense que ça devrait être ta préoccupation, l'objet de tes pensées jour et nuit. Madame, est-ce que tu as avancé? Est-ce que ta vie a prospéré? Dans tes relations, est-ce que tu as prospéré? Quel genre de personnes t'accompagnent? Par rapport à 2021, est-ce que tes accompagnements ont été améliorés? Est-ce que sur le plan relationnel, dans ton entourage, des choses se sont améliorées? Est-ce que tu as pris de bonnes décisions? Est-ce que tu as expulsé les gens que tu devrais expulser? Est-ce que tu as maintenu les gens que tu devrais maintenir? Est-ce que sur le plan relationnel, tu as des relations qui te soient avantageuses dans l'accomplissement de ton destin par rapport à 2021? Est-ce que tu es sur de bonnes voies pour 2023? Mon ami, si les erreurs de 2021 se répètent en 2022, c'est-à-dire que tu es mal parti. Je ne vois pas les cœurs, je ne suis pas en train de voir assez de cœurs. On voit des cœurs, les pouces bleus. Parce que juste à m'écouter, si ton cœur est engagé vrai devant le Seigneur, Dieu te bénit, Dieu restitue les choses qui ont été volées dans ta vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. En tant qu'homme de Dieu, tu te poses la question que je dois me poser et que tu dois aussi te poser en tant qu'homme de Dieu, c'est en 2021, qu'est-ce que j'ai réalisé? Tu regardes cela. Quelles ont été mes limites? Tu regardes cela et tu te poses la question. En 2022, qu'est-ce que j'ai réalisé plus qu'en 2021? Qu'est-ce que j'ai fait en cette année? Qu'est-ce que j'ai fait pour marquer mon territoire? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quelles sont les réalisations principales? Quelle est la réalisation principale et les réalisations secondaires de ma vie en 2022? Si, mon ami, faisons le bilan. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Peut-être en 2021, j'avais un terrain. En 2022, j'ai construit une maison. C'est bien. Le bilan est positif. Sur le plan des infrastructures. Alors, en 2023, il faudra que je construise au moins un immeuble à louer. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ce qu'il faut faire. Donc, le mois de novembre est prophétiquement très stratégique. Et tous mes services, que ce soit mes directs, que ce soit les cultes, ceux qui assisteront, vraiment, je vous dis la vérité, nous allons faire des prières de restitution, de récupération. Des prières de restitution prophétiques. Des proclamations prophétiques puissantes avec des décrets divins seront mélangés pour toi, pour ta famille. On va récupérer ce que l'ennemi nous a volé ou bien ce que nous avons perdu par notre propre faute. Parce que la Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc dans Matthieu chapitre 20, la Bible parle de l'histoire d'un maître. C'est Jésus qui parle. Il parle de la 11e heure, du mystère de la 11e heure ou bien du 11e mois, du chiffre 11, son impact. C'est le chiffre prophétique de la restitution divine où Dieu te restitue ce qui t'a été volé. Maintenant, chacun doit se poser la question. On ne peut pas te restituer ce que tu n'es même pas conscient d'avoir perdu. Je répète, on ne restitue pas ce dont tu n'es même pas conscient. Il faut que tu sois conscient d'avoir perdu quelque chose pour rechercher la chose-là. C'est le même procédé que Dieu va utiliser avec Adam dans le jardin. Djemima. Djemima, donc c'est le même procédé. C'est le même procédé. Aussi longtemps, normalement, quand Dieu a créé Adam, le lendemain, Adam devrait se marier. Il devrait se marier. Mais Dieu ne peut pas te donner ce dont tu ne connais pas la valeur. Il faut que tu prennes d'abord conscience que telle chose me manque. Que normalement, j'avais droit à telle chose. Mais j'en ai été privé. Tant que tu n'es pas conscient, de ce qu'on t'a volé, jamais Dieu ne te restituera ça. Ce n'est pas possible. Tu n'en connais pas la valeur. Donc, Adam est demeuré dans le jardin d'Éden aussi longtemps que cela a été célibataire. Jusqu'au jour où il a pris conscience de son célibat. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que tu es en train de rater? On est en novembre. Est-ce que Dieu peut te faire récupérer cela? En un mois, je crois en ça si tu as la foi. C'est ça que la Bible dit que un jour, c'est comme 1000 ans pour lui et 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Donc ne dis pas non, est-ce qu'en un mois, Dieu peut me donner le mari? Est-ce qu'en un mois, Dieu peut me donner une bonne femme? Est-ce qu'en un mois, Dieu peut restaurer mon travail? Est-ce qu'en un mois, mon ministère peut changer? Est-ce qu'en un mois, sur le plan relationnel, je peux connaître des grandes améliorations? Oui, c'est possible. En un jour, un mois, c'est beaucoup. En un jour. La Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans, c'est comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une journée, Dieu peut te faire des exploits et accumuler les bénédictions que ta famille a amassées en 1000 ans. Que les gens ont travaillé 1000 ans pour avoir. En un jour, Dieu peut donner cela. En un seul jour, Dieu peut te donner la récolte de 1000 ans.
En un jour. C'est-à-dire que ce que les générations, 10 générations, ont pu avoir, c'est-à-dire 10 générations, ce qui a fallu 10 générations, ce qui a demandé 10 générations, les bénédictions qu'on peut avoir après 10 générations, 1000 ans d'existence, 100 ans, 100 ans fois 10, en un jour, Dieu peut décider de te donner le résultat là, en un jour. Pas en un mois, c'est beaucoup, en un jour. Si tu crois, tu dis Amen, et Dieu te restitue tout ce qui t'a été volé en un jour. En un jour. Ça me rappelle quelque chose. Lorsque Dieu m'appelait à son service, quand le Seigneur m'appelait, parce que je parle des choses que je connais, que j'ai compris, que j'ai expérimenté. Et là, je suis plus efficace. Si je parle, ça arrivera dans ta vie. Parce que je ne parle pas des choses que je ne connais pas, ou des choses que je ne comprends pas, ou des choses que je n'ai pas vécues. Je parle de mon vécu, de mon expérience avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, notre doux Seigneur et Sauveur. Vous voyez, quand le Seigneur m'appelait, dans une vision, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais retourné dans la maison de mon ex-bailleur. Mais dans la réalité, je n'étais plus bailleur. J'étais plus locataire, pardon, chez lui, chez ce bailleur-là. Donc, dans la vision, j'avais voyagé. Et je suis revenu dans le camp où j'habitais pour occuper ma chambre. Et j'ai trouvé que ma chambre était entrouverte. Et j'ai vu le fils du bailleur. Et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que j'avais laissé ma porte entrouverte? Et comme j'avançais, j'ai vu un monsieur et sa femme habitant dans ma chambre. Et j'ai demandé au fils du bailleur, pourquoi est-ce que vous avez donné en location ma chambre sans attendre mon retour et sans demander mon avis? Où sont mes affaires? Certainement, vous avez mis mes affaires et où on a volé mes affaires. Et c'est où il m'a dit non. Tes affaires n'ont pas été volées. Tes affaires sont dans le magasin derrière là-bas. Et nous sommes allés vers le magasin et j'ai vu que mes affaires étaient empaquetées dans une chambre qui n'avait même pas de porte. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi vous me faites autant de mal? Pourquoi est-ce que vous m'avez autant offensé? D'abord, vous donnez ma chambre à louer à quelqu'un sans ma permission. Vous videz mes affaires sans ma permission et vous les empaquetez dans cette maison-ci, ces chambres-ci, sans porte, sans ma permission. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal au point où vous comportiez de la sorte injustement envers moi? Nalitawa idabarus min audal ferazo. Mon âme s'humilie devant ta père. Par le Seigneur de ma vie. Alors, le fils de mon bailleur va me répondre dans la vision. Non, en fait, tu n'as fait aucun mal. Mais après ton voyage, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un homme de Dieu, un prophète, qui est venu te chercher. Il ne t'a pas trouvé. Il a trouvé mon père. Il a demandé à mon père, où est Ferdinand? Mon père lui a dit que Ferdinand a voyagé. Et cet homme de Dieu a dit à mon père, dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Je t'appelle à mon service et je t'envoie te former au séminaire de théologie des assemblées de Dieu à Côte-Op. Et si quelqu'un ose te retenir pour un seul jour, il s'attirera ma colère. Tu as remarqué que partout tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué. Parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci, car voici venu le temps de l'encre pleine. Et il a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi l'Éternel ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Moi l'Éternel ton Dieu, voici le signe. Et le fils du bailleur me dit que l'homme de Dieu s'est tourné vers sa mère, qui est la femme du bailleur. Et c'est un bailleur chez qui j'ai vraiment habité. Et l'homme de Dieu a dit au bailleur, il dit que l'homme de Dieu a dit à mon père, concernant ma mère, ta femme tombera malade en un jour. Elle entrera dans le coma en un jour, le même jour. On l'amènera à l'hôpital le même jour. On l'opérera le même jour. Les blessures de son opération cicatriseront le même jour. Elle guérira le même jour. Elle retournera à la maison le même jour. C'est le signe que l'Éternel donne à son serviteur. Et donc, il me dit dans la vision, ma mère, là voilà, elle est sortie de l'hôpital hier. Elle est tombée malade le même jour. Elle est entrée dans le coma le même jour. On l'a transportée à l'hôpital le même jour. Elle a été opérée le même jour. Les blessures cicatrisées le même jour. Elle est sortie du coma le même jour. Elle a guéri le même jour. Et elle est rentrée à la maison le même jour.
aussi, lorsque mon père a vu le signe donné par l'homme de Dieu s'accomplir, il a pris peur et il a demandé qu'on ramasse tes affaires, qu'on les mette dans le magasin. Dès que tu arrives, il a dit que tu ramasses tes affaires pour partir, sortir de son camp. Va où l'Éternel ton Dieu t'appelle. Mon père a dit qu'il ne veut pas de problème avec sa famille. C'est pour ça que tes affaires sont ici. La fidélité de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? En un jour, Dieu peut faire ce qu'il fait en 1000 ans, ce qui peut prendre 1000 ans, ce qui a coûté 1000 ans aux autres personnes. Et en 1000 ans, il peut faire ce qu'il fait en un jour. Ça dit quoi? Tu peux prendre 1000 ans, mais Dieu accomplit la peine de 1000 ans en un jour. Et en un jour, il peut accomplir la peine de 1000 ans. Et en 1000 ans, il peut accomplir la peine d'un jour. C'est-à-dire, ce qui prend 1000 ans pour être accompli, Dieu le fait en un jour. Et en un jour, Dieu peut faire ce qu'il faut 1000 ans pour faire. Donc, ça veut dire quoi? Bien-aimé, nous servons un Dieu grand. Tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Ne te dis pas non, essaie de me marier en un mois. Moi, j'ai vu des choses dans mon ministère-ci. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses extraordinaires. Je me souviens que je faisais une nuit de prière à Ebogo 1. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a une dame qui est venue et je lui ai posé une question par la prophétie. J'ai compris que l'affaire, c'est la foi. Les gens disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand la parole de la prophétie rencontre la vraie foi, je ne dis pas la foi émotive ou émotionnelle. Je parle de la vraie foi, la foi selon Dieu, la foi agissante, la foi vivante. Quand la parole d'un prophète, la parole de l'Éternel dans la bouche de son serviteur rencontre la foi, il y a toujours miracle. Le résultat, c'est le miraculeux. Toujours. Si on n'a pas ça dit, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. La femme, si je prophétisais sur elle, et comme il m'arrive souvent de poser la question, comme mon Seigneur le faisait lorsqu'il était en Palestine, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant là? La dame a répondu, je veux me marier. Je lui ai demandé quand. Elle a dit ce mois-ci. Donc moi-même qui suis prophète, j'avoue, c'est une confession publique aussi que je profite pour faire. J'étais un peu gêné. Un peu gêné parce que j'ai tapé les calculs dans ma tête. J'ai dit en un mois, tu renvoies. Non, en un mois, il te pousse. Les probabilités ne sont pas, ne courent pas les rues dans tous les cas. Humainement parlant, bon, mais je suis prophète et en plus, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas moi qui agis. C'est celui qui est en moi qui agit. Donc, je suis un enfant dont le père est très riche. Il a les moyens, il a le pouvoir et donc je peux gueuler. Je peux parler fort. Parce que mon père a les moyens pour accomplir ce que je déclare. Donc, c'est sur ça que je me base donc. Et là, je vais dire à la dame, ok, emmène-moi, l'église crie. Elle dit, oui, emmène-moi, je veux me marier. Et j'ai dit, je prophétise et je déclare que ce mois ne finira pas, que vous ne soyez mariés au nom souverain de Jésus. La femme est tombée à genoux, elle a dit Amen, Amen, oh Alléluia, Amen. La nuit des flammes qui suivait, où c'était le culte qui suivait, le culte de famille qui suivait, pour ceux qui se souviennent, la dame est venue confesser, rendre témoignage de son mariage. Elle s'était mariée. Après la prière, elle avait rencontré un monsieur, il s'était marié en un mois. Elle était venue rendre témoignage avant de voyager. En un mois, je n'oublierai jamais ces choses-là. Je ne les oublierai pas. Le Dieu de la 11e heure. Et laissez-moi vous montrer encore le mystère de la 11e heure pour que nous comprenions bien cette parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux prier avec toi. Vous vous souvenez sur la croix. Sur la croix, Jésus est crucifié et il y a deux brigands. Un qui l'insulte, un qui le défend. Et le brigand qui défend Jésus, il va demander quelque chose à Jésus. Écoute-moi bien. La Bible ne l'appelle même pas un homme. Hein? La Bible dit un brigand. C'est des brigands. Donc c'est des bandits, c'est des agresseurs. C'est qui est sûr? Parce que quand on te crucifie là, ça dit que tu as tué quelqu'un. Il y a eu mort d'homme. On ne crucifiait pas les gens juste pour le vol. Non, c'était, il y avait des morts d'hommes, comme Barabbas qui a failli être crucifié. Et Jésus a pris sa place. Il y a eu des morts d'hommes. Il tuait les gens. C'était un meurtrier. Et donc ce brigand sur la croix donc, était meurtrier parce que pour que le gouvernement romain à l'époque te crucifie, c'est qu'il y avait certainement soit un blasphème,
contre la religion judaïsante, ou bien tu as été séditionniste contre le gouvernement, tu as dirigé une sédition, une révolte, là tu étais pendu au bois, ou alors tu as tué. Mais ce n'était pas des politiciens, c'était des brigands. La Bible dit clairement, c'était des brigands. Ils avaient droit à la mort. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Cet homme va dire à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. » Et Jésus lui répondra, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » C'est ça qu'on appelle la grâce de la 11e heure. Vous savez que Judas, prenez le cas de Judas Iscariot, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, il a souffert. Il a souffert dans le froid, dans la pluie, à voyager, ses pions enflés, à cause de longs voyages, les campagnes d'évangélisation, s'occuper à organiser les campagnes, etc., etc., etc. Il a travaillé pour finir en enfer. Mais ce brigand sur la croix n'a jamais été juste. Il n'est jamais allé dans une église. Il n'a jamais confessé ses péchés. Il a passé toute sa vie à pécher contre Dieu. Toute sa vie a offensé Dieu. Toute sa vie a fait le mal autour de lui. Mais sur la croix, à la dernière minute de sa vie, il va au paradis. Entre lui et Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Faites une comparaison. Il n'a pas mené une vie de sanctification, jamais. Il n'a jamais jeûné. Il allait au paradis sans se sanctifier. Il allait au paradis sans jeûner. Il allait au paradis sans jamais prier. Il allait au paradis sans jamais aller à l'église. C'est ça qu'on appelle la grâce, la 11e heure. C'est-à-dire sur la croix, du tic au tac, le gars se retrouve directement au paradis. Jésus lui dit, ce n'est même pas qu'il va attendre. Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis, le soir-ci. Tu sais, bon, maintenant, oh, ce soir, ça veut dire quoi? Ce soir, comment? Ça veut dire que vendredi, là, Jésus est d'abord allé d'abord le mettre au paradis pour revenir continuer sa mission aux enfants ou quoi? Nous savons que quand il dit une chose, il accomplit. Mais ce qu'on sait, c'est que le même soir, le gars est au paradis sans jamais connu ce que nous on comprend par la sanctification. Là. Le gars n'a jamais fait ça. Mais la grâce de la 11e heure lui a été donnée. À la dernière minute, il a reçu. C'est que d'autres ont travaillé pendant des années, toute leur vie. L'apôtre Paul a travaillé toute sa vie, mes amis. Toute sa vie. Dans sa vieillesse. Il commence à s'inquiéter un peu. Il dit, je ne dis même pas que je l'ai saisi. Mais j'ai fait une chose, je me bats pour le saisir. Hein? Et puis, vers les derniers jours de sa vie, il dit que je pense que j'ai travaillé fidèlement. Et que désormais, la couronne de vie m'a été donnée. Mais il a fait des jeûnes. Le brigand n'a pas fait ça. Il a voyagé, il a été en péril. Le brigand n'a pas été. Il a été persécuté à cause de l'évangile. Le brigand n'a jamais été persécuté. Il ne confessait même pas à Jésus. Il était même parmi ceux qui insultaient Jésus. L'apôtre Paul, des longs voyages. Le brigand n'a pas connu cela. Toutes les souffrances que Paul a eues, le grand prix qu'il a payé pour avoir la couronne, le brigand n'a rien fait. Le gars a eu la couronne sans avoir sacrifié sa vie comme les autres ont fait. C'est ça l'onction de la 11e heure. C'est une grâce qui vient te donner ce que d'autres ont fait, ont reçu pendant des années après des sacrifices et des souffrances. Dieu te donne ça, il t'épargne la souffrance et les sacrifices, les épreuves, les complications que d'autres ont connues. Ce sera que Jésus, dans la parabole, parlera des ouvriers de la première heure, de la sixième, de la neuvième et de la 11e heure. Il parle des ouvriers de la 11e heure qui ont le même salaire que ceux de la première heure. Ceux de la première heure se plaignent, pas à tort, mais à raison en fait. Ils ont raison, mes amis. Mais nous, on a travaillé 11 heures. On a un dénier. Eux, ils sont venus, ils ont travaillé une heure. Ils ont le même salaire que nous. Comment? Normalement, ils ne devraient pas avoir le même salaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ va donner une explication juste qui montre le jugement de Dieu, la manière dont Dieu pense dans ses jugements. Il dit, on s'est arrangé, l'alliance était un talent, un denier, pardon. Est-ce que je ne vous ai pas donné votre denier? On a dit un denier pour 11 heures. Maintenant, eux, ils sont venus, ils ont fait une heure. J'ai décidé de donner aussi un denier. Vous ne pouvez pas vous plaindre parce que mon contrat disait qu'à la 11e heure, vous recevriez un denier. Donc, je ne vous ai pas frappé. J'étais juste. Je n'ai pas été injuste. Mais eux, ils ont reçu la grâce d'avoir le même salaire que vous. Pourquoi? Parce qu'à la 11e heure, Dieu te donne le salaire de la première heure jusqu'à la 11e heure. Parce que là, la grâce intervient. Mais à la première heure, c'est les œuvres qui parlent. C'est les œuvres qui te justifient. La 11e heure, ce n'est pas les œuvres.
c'est la grâce qui te justifie. Ça fait que la grâce de la onzième heure paye le travail de la première heure. Parce qu'en réalité, le talent, le denier qu'ils ont reçu, il fallait le diviser par 11 pour trouver combien chaque ouvrier devrait avoir après chaque une heure de travail. Donc normalement, on devait faire diviser par 11 et on donne ça à ceux de la 11e heure. Mais cependant, la grâce faisait que à la 11e heure, ceux-là recevaient le salaire de la première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième heure. Tout ça leur était donné gratuitement. Parce que c'est l'heure de la grâce et de la restitution. Dieu leur a restitué le travail, le salaire de la première heure, de la deuxième heure, troisième heure. Je vois Dieu restituer à quelqu'un les bénédictions qui lui ont été volées en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dieu te restitue ça. Il me restitue ça. Dieu nous restitue tout cela dans le nom souverain de Jésus. C'est ça la grâce de la onzième heure. La grâce de la onzième heure. Dieu leur a restitué toutes ces choses-là. Et Dieu te restitue aussi, pendant que je parle, tout ce que tu as perdu de janvier jusqu'en octobre. On est en novembre. Dieu va nous restituer cela au nom souverain de Jésus. Pardon, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, la chose arrive. Dieu te restitue cela. Donc tout ce que tu devrais avoir en janvier, tu ne l'as pas eu. Février, tu ne l'as pas eu. Mars, tu ne l'as pas eu. Toutes les bénédictions, toutes les occasions manquées pendant tous ces mois, ces 10 mois précédents, le Seigneur va cumuler ce salaire, cette grâce, et nous donne ça en novembre pour que nous entrions en 2023 étant complet et achevé. Je prie que personne d'entre nous n'entre inachevé en 2023. Que 2023 fasse partie des plus belles années de ta vie. Tout ce qu'on t'a volé pendant cette année 2022, sauf si Dieu ne m'a pas appelé prophète, tu vas récupérer cela. Ce matin, tu commences à récupérer cela et je prophétise au nom de Jésus. Les gens vont se plaindre sur toi en ce mois de novembre. Avant que novembre ne finisse, les ouvriers de la première heure vont murmurer contre toi. Les gens vont murmurer. Quelle est cette femme? Quel est cet homme? Hein? Nous, on a travaillé pour avoir le genre de mariage ici, le genre de grâce-ci. Mais la femme-ci vient d'où? Qu'est-ce qu'elle a fait pour venir en un laps de temps? Elle a ces bénédictions qui nous ont pris des années. Hein? Il a réalisé des choses. Oh, va. Maman Mickaël, qu'elle te met la condition, tu comprends? Qu'elle renouvelle la condition, ton père sous l'esprit. Va ma fille, ne reviens plus, pardon. Donc, les gens vont murmurer contre toi. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que les gens seront scandalisés. En ce mois d'octobre, de novembre, le mois de novembre ne finira pas. Que Dieu m'était chargé et surchargé de bénédictions, de grâce. Et je te pose une question. Est-ce que tu crois qu'en ce mois d'octobre, de novembre, pardon, tu peux réaliser ce que tu n'as pas réalisé en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre? Je veux quelqu'un qui me dit « je crois » et je prophétise sur la personne. Dis simplement « je crois » en commentaire, je prophétise sur toi. Et tu vas voir ce que c'est que l'intervention de Dieu et la grâce de la onzième heure. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore connu la grâce de la onzième heure. C'est une notion de vitesse fulgurante. C'est une notion fulgurante de vitesse. Ça veut dire que tu vas plus rapide que le vent. Tu vas plus rapide que la lumière et le son. Ça veut dire que dans ta vie, tu réalises des choses qui prennent du temps pour d'autres en un laps de temps. Dis, je crois au nom de Jésus. Et je veux prophétiser sur toi. Touche ton écran télévision maintenant. Touche ta radio, toi qui me suis pas à la radio. Touche ta télé, touche ton téléphone. Je veux prier au nom de Jésus. Moi-même, je touche. Ô Père, Père, je prie au nom de Jésus. Dans nos vies, que descende la grâce de la onzième heure, l'alliance de la onzième heure, la puissance de la onzième heure, la provision de la onzième heure au nom souverain de Jésus. Tout ce qui nous a été volé de janvier jusqu'en ce mois, Père, que cela soit restitué. Restitution divine, restitution divine, restitution divine, restitution divine, restitution divine. Ta vie sentimentale, restitution divine. Dans ton ministère, restitution divine.
dans ton travail, restitution divine, ton mariage, restitution divine, tout ce que le diable t'a volé, je prophétise que tu le récupères, que cela te soit restitué au nom souverain de Jésus. Tout domaine de ta vie où tu as échoué, en ce mois de la 11e heure, le mois de la 11e heure, le 11e mois, que Dieu nous rétablisse dans la gloire. Que Dieu nous rétablisse dans la gloire. Ton salaire volé, tu le récupères. 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 Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Pense à quelque chose qui t'a été volé en cette année 2022. Pense à quelque chose qui t'a été arraché en cette année 2022. Je déclare que la chose t'est restituée au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été arraché, toute bénédiction, toute grâce excellente venant de Dieu, dont nous avons été privés, Seigneur, nous récupérons. Dis, je récupère. Dis, je récupère. Dis, je récupère. Et tu reçois au nom de Jésus. Dis, je récupère. Et ça descend. Dis, je récupère. Pense à cette chose. Dis, je récupère. Et tu récupères la chose au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, je te donne gloire. Parce que commençant par moi-même d'abord, leur berger, leur frère, leur père spirituel, je récupère tout ce que le diable m'a volé en cette année 2022. Tout ce que je n'ai pas accompli, Seigneur, avant la fin de novembre, j'aurai accompli cela. J'aurai réalisé cela. Et je demande la même faveur sur tous ceux qui sont connectés en ce moment, mon Dieu, dans le monde entier, quel que soit le pays, quel que soit le positionnement, peu importe ce par quoi ils passent. Seigneur, que ce mois soit un mois de réparation divine. Un mois de réparation divine. Que Dieu répare ce que la main de Satan a détruit. Ce que nos ennemis ont détruit. Ce que la sorcellerie a détruit. Ce que la maladie a détruit. Ce que la mort a détruit. La destruction dans nos ministères, dans tous les domaines de nos vies, la gangrène est bannie, est détruite, démolie, anéantie, néantisée, saboulée ou spiée au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le mois de novembre, c'est le mois de réparation divine. Répare nos cœurs, répare nos destinées, répare nos mariages, répare nos ministères, répare nos finances, répare nos projets. Oh Dieu! Lève-toi et restaure ton peuple, restaure ta maison, restaure tes bien-aimés au nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, je prie qu'il y ait des guérisons de destinée avant la fin de cette journée. Des guérisons de destinée. Tout domaine qui était malade en cette année. Seigneur, nous n'entrerons pas frustrés en 2023. Nous refusons cela. Je n'entrerai pas frustré en 2023. Je n'entrerai pas avec l'échec en 2023. Je n'entrerai pas avec les pleurs en 2023. Dis ça en commentaire et l'ange de l'Éternel accomplit sa prophétie dans ta vie. Je n'entrerai pas frustré en 2023. Ah non, je n'entrerai pas frustré en cette année 2023. Bien-aimé, toute plante dans ta vie qu'elle n'a pas plantée, ton Père Céleste, est déracinée immédiatement pendant que je prie. C'est déraciné. C'est déraciné. Je déblaye le terrain d'une année 2023 glorieuse dans ta vie. Ce mois de novembre sera le plus beau mois de cette année 2022 pour toi et pour moi, pour tes enfants, pour mes enfants, pour ta maison, pour ma maison. Je suis en train de prophétiser, bien-aimé. S'il te plaît, sois docile aux injonctions prophétiques qui sont en train de sortir pendant ce direct. Parce que les anges de Dieu sont dispatchés dans les nations, partout, les cœurs sont disposés maintenant. Pour que réparation soit faite. Pour que réparation soit faite dans ta vie. Pour que réparation soit faite dans la vie de tes enfants. Pour que réparation soit faite dans ton cas. Pour que réparation soit faite dans ta situation. Pour que réparation soit faite dans ta destinée. Pour que réparation soit faite dans ton ministère. Pour que réparation soit faite dans ta famille. Pour que réparation soit faite dans ces situations que tu traverses. Je le déclare, si tu crois que je suis un prophète envoyé par Jésus-Christ pour prophétiser dans ta vie et la chose arrive, je déclare que réparation est faite dans ta vie et ta destinée dans tous les domaines de ta vie en ce mois de novembre, avant que novembre ne soit achevé. Parce que ce mois sera le mois de célébration pour nous,
Le mois de la restitution, on va célébrer Dieu. On va célébrer Dieu. On va célébrer Dieu. Et ce sera le mois où le Seigneur m'a mis à cœur de donner des mouchoirs oint à tout son peuple qui croit mon ministère. Des mouchoirs oint seront distribués gratuitement. Et je vous expliquerai pourquoi. Vous savez ce que c'est que le mouchoir oint? Le mouchoir blanc qui seront distribués à tout le monde. Tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. On se met au travail à partir de ce dimanche. Et tous les dimanches, nous viendrons avec ce mouchoir oint. Et nous allons clôturer avec le culte de famille avec ce mouchoir oint. Je vais les consacrer à Dieu. Je vais prier. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. La même grâce qui a été utilisée par l'apôtre Paul avec le mouchoir oint sera manifestée dans notre ministère. Quelle que soit ta nation, tu as quelqu'un au Cameroun, tu m'écris seulement sur WhatsApp. Tu m'écris, mes numéros WhatsApp sont connus. Tu demandes ton mouchoir, ouais, on va t'envoyer ça gratuitement. Ça ne se vend pas, c'est gratuit. Et j'ai dit encore que mes WhatsApp, il faut faire attention. Ne prenez pas les numéros qu'on va vous envoyer, les gens qui vous contactent sur Facebook, sur Messenger, au nom du prophète Kadou Ferdinand, ce n'est pas moi. Ma page, nous sommes, je pense, 143 000 abonnés. Regardez bien la page, méfiez-vous. Il y a des arnaqueurs, comme je parle, qui vont commencer à vous envoyer le mouchoir, ils vous demandent l'argent ou bien l'huile. Je ne fais pas ça. Toute personne qui vous contacte en mon nom, ce n'est pas moi. Je ne contacte pas les gens sur Messenger. Et toute personne qui vous demande l'argent, comprenez déjà que c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Je n'ai jamais demandé l'argent à personne. Je n'ai jamais communiqué avec personne, demandant l'argent ou bien vendant lui de faveur ou bien n'importe quoi. Méfiez-vous. Les mouchoirs seront distribués, pas par Internet. C'est à l'église. Suivez ma page, mes directs. Écoutez ce que je vous dis en direct. Ne suivez pas ce que les arnaqueurs vous envoient après. Soyez prudents. À l'église, ça sera distribué. Donc, si vous connaissez quelqu'un au Cameroun, envoyez la personne à l'église. Prends votre mouchoir et vous expédiez ça. La main de Dieu agira. On va revenir sur le principe de mouchoir oint. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Dieu va se manifester une gloire puissante. Donc, ce dimanche, rassure-toi, 6 novembre, d'être là présent pour prendre ton mouchoir. Tout le monde aura droit à son mouchoir. Même les enfants auront le mouchoir. Les enfants qui ont déjà la conscience faite pour prier. On va lui donner le mouchoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, quel que soit ton pays, tu connais quelqu'un qui peut venir à l'église sur place, contacte la personne, qu'elle vienne à l'église, qu'elle prenne physiquement. On va lui remettre un mouchoir, tout simplement. On va vous envoyer ça gratuitement. Ça ne se vend pas, c'est gratuit. Mais si quelqu'un vend le mouchoir, c'est un voleur. C'est un voleur. Et n'achetez pas le mouchoir à l'église, autour de l'église. N'allez pas acheter le mouchoir là-bas. C'est des mouchoirs que moi-même, je vais acheter. Je vais confectionner. Je vais prier dessus. Et à partir de ce dimanche, ça sera distribué. Et du 6 au 10 décembre, c'est le pèlerinage sur le mont Kol Afamba. Tu es chrétien, tu n'as jamais fait de pèlerinage. J'ai honte pour les enfants de Dieu qui sont dans mon ministère depuis des années. Ils n'ont jamais fait un seul pèlerinage. J'ai honte pour vous. Quel est le prix de votre foi? Qu'est-ce que Jésus vous coûte? En quoi est-ce que vous êtes chrétien? Les musulmans quittent l'Afrique pour aller à la Mecque, loin là-bas, loin en Asie là-bas. Pour le pèlerinage, parce qu'ils croient en leurs prophètes. Vous avez des prophètes. Le pèlerinage ici, tu ne peux pas quitter aussi l'Europe. Tu viens. Toi qui es à Yaoundé, tu n'es jamais parti au pèlerinage. Honte à toi, frère. Honte à toi, ma soeur. Tu ne connais pas ce que tu cherches dans la maison de Dieu. C'est des occasions qu'on ne joue pas avec. Le pèlerinage, mes amis, pour préparer ta nouvelle année, tu devais préparer toute ta maison avec. Toute ta famille devait être présente sur la montagne du 6 au 10 décembre. Toute ta famille devait être là. Donc les badges sont disponibles. Les badges sont disponibles. Et je dis encore, les badges c'est 10 000 francs. Ce n'est pas plus de 10 000. Et c'est la contribution que je prends pour organiser la montagne, pour organiser la campagne, organiser le pèlerinage. Donc tu prends ton badge, c'est 10 000. Et les badges ne se vendent pas sur Internet. Je répète, les badges ne se vendent pas sur Internet. Parce que les arnaqueurs vont vous toucher encore là. C'est à l'église, sur place. Ne passez pas par un intermédiaire. À l'église, lorsqu'on parle, envoyez quelqu'un sur place à l'église. Ne passez pas par une de mes fils ou une de mes filles. Non. Non. Tous les dimanches, dans toutes nos églises au Cameroun, les badges seront présents. À partir de ce dimanche, tout ça sera disponible. La personne te donne, elle prend ton badge, elle te garde ça. Quand tu voyages, tu viens, tu vas faire le pèlerinage avec nous. Et le Seigneur te bénit, tu possèdes les 12 portes de l'année 2013. Voilà comment nous servons Dieu. Parce que nous posons ces actes devant Dieu. Mais là, quand 2013 et 2023, je serai béni. Je vais réaliser de grandes choses. On va dire, je suis sorcier. Mais les gens ne comprendront pas que j'ai pris 5 jours
sur la montagne pour prier pour 2023. Les gens ne comprendront pas ça. Donc nous attendons les invités. Il y a déjà beaucoup qui viendront de l'Europe et d'autres pays africains. Vous êtes les bienvenus. Je suis honoré de savoir que vous serez là très nombreux. Beaucoup de pays, beaucoup de personnes. Il y a même des gens de l'île de la Réunion qui m'ont dit souhaiter être là. Voilà, voici mon numéro WhatsApp. Mes numéros WhatsApp sont les suivants. 672 plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 13 03 23. Mon deuxième numéro WhatsApp, 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86. Voici les deux seuls WhatsApp qui sont à ta disposition. Dans tous les autres numéros qu'on peut vous proposer, c'est pas moi. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. On n'a aucun groupe. Je n'ai aucun groupe. Que Dieu te bénisse. Sois présent. Prépare-toi pour le pèlerinage. Je vais dire à toutes les familles de se préparer. Dimanche, viens et prends ton badge. Bien-aimé, bienvenue dans le mois de la restitution divine. Quelle que soit la malédiction qui était sur toi, même si c'est qui, mais c'est ton père, ta mère, qui t'a dit, qui t'a maudit, je me tiens comme prophète de Dieu pour toi. J'annule les malédictions là littéralement les unes après les autres. Je les casse, je les concasse, je les escortique au nom souverain de Jésus. Je te déclare libre de toute parole de malédiction en ce mois de novembre. Tu entreras différent en 2023 et nous allons célébrer le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Rendez-vous demain dès 10h. Pour une autre édition de la restitution. Nous allons prier et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie si tu crois dans ton cœur que le Seigneur peut te donner de récupérer tout ce qui t'a été volé en ce mois. Alors, ne rate pas mes directs. Et s'il vous plaît, je vais te demander une faveur. Si vous m'écoutez ce matin, vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous et likez. Appuyez sur le bouton, aimez la page. Likez la page s'il vous plaît. Abonne-toi à cette page pendant que tu le fais. Que Dieu te donne la double portion de chaque parole prophétique que j'ai donnée. Et surtout, le problème que tu traverses là. Dis à Dieu, Seigneur, comme je m'abonne, selon la parole de ton serviteur. Un prophète a dit à quelqu'un, va te jeter dans l'eau. Nage là-bas un peu. Cette fois, tu seras guéri. Moi, je te dis, abonne-toi. Et dis à Dieu, Seigneur, voici mon cas. Ton serviteur a dit que si je m'abonne, tu allais me visiter. Maintenant, je me suis abonné. Seigneur, visite-moi. Et Dieu le fera. C'est une alliance entre toi et moi. Donc, s'il te plaît, abonne-toi et expérimente ces paroles prophétiques qui est pour toi. Que Dieu te bénisse. Passe une très belle journée. Et que la sagesse de Dieu te soit donnée dans tes choix, etc. Et rien ne vous arrivera. Dieu vous gardera pour ceux qui voyagent. Dieu vous gardera pour ceux qui sont malades. Recevez la santé divine. Relevez-vous de votre lit de malade. Pour ceux qui travaillent moins compliqué, que l'ange de Dieu vous secoure dans ce moment et vous sorte sain et sauf. Aucun malheur ne t'atteindra en cette journée. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai déclaré Amen. Dis Amen et le Seigneur te bénisse. Bye. Shalom.